Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien en cette bonne et excellente journée. Eid Moubarak, Saint Eid à tous les musulmans du monde, Moubarak l'Eid, Eid Koum Moubarak, Eid Koum Mabrouk, j'essaie de dire vraiment toutes les langues arabes. Voilà, je parle un petit peu en arabe, en marocain. Mabrouk l'Eid, Taïdou, Inch'Allah, Salam, ou Inch'Allah, que Dieu exauce vos rêves les plus fous, Inch'Allah, que Dieu vous protège, vous préserve, ainsi que vos familles, vos enfants, Inch'Allah, Ya Rabbi, vos parents, vraiment toute votre famille, tous les musulmans, Ya Rabbi, le monde entier même. J'espère vraiment que vous allez passer une excellente journée, vous allez passer une excellente journée, malgré qu'on est voilà, loin de la famille, tout ça. Ben, moi, pas tant que ça, finalement, grosse surprise, j'ai ma soeur qui vient prendre le petit déjeuner avec nous, en famille. Alors je suis hyper excitée, hyper contente, voilà, avec son mari et ses enfants, avec mes neveux et nièces. Et après on va chez la maman, je vous dis pas, j'ai les larmes qui sont juste là en fait. Voilà, j'ai tenu le béquille, j'ai tenu le parha, j'ai tenu Kulchim, j'ai moi. Hein. Vraiment je suis très 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 contente. On va passer une excellente journée, je suis aux anges, je suis vraiment la plus heureuse et la plus contente. Qu'est-ce qu'on dit les enfants? Mbarak l'Eid, Eid Moubarak Saïd. Voilà, et ben ils n'ont pas pu attendre en fait. Voilà, Eid. Et ils n'ont pas pu attendre, ils ont ouvert leur cadeau. En fait, ce qui s'est passé, je vous explique le déroulement là de cette heure, 1 heure, 1 heure et demie comme ça. On s'est réveillé vers les coups de 7h30. On a fait ce qu'on avait à faire. Voilà, notre douche, tout ça, l'odon. Et les ablutions, tout ça. On a fait notre prière à la maison. Toute première fois, c'est vraiment inédit qu'on fait la salat l'Eid à la maison. Alors d'habitude, c'est toujours à la mosquée. Ou voilà, mon mari est toujours parti à la mosquée. Voilà, tout. Je montre un peu ma robe. Hein, c'est joli, hein. C'est monsieur qui me l'a offert, ça peut être que joli. Bah oui, je suis très très contente. Voilà, on a fait le salat l'Eid à la maison. On a mis... les invocations pour l'Aïd. Oui, l'Aïd, elle est très heureuse, elle est autant excitée et heureuse que sa maman. Oui, ma chérie. Et on a fait ça, l'Aïd, ici, ensemble. Ça a été vraiment beaucoup d'émotions. Ça a été une grande fierté. J'ai pensé, voilà, tout ce mois sacré, tout ce qui s'est passé, tout ça. Je vous dis vraiment, le confinement avec le ramadan, pour nous, ça a été... Bah, franchement, c'est vrai que ça a été compliqué, mais ça a été vraiment bénéfique. Et voilà aussi cette prière là à la maison. Je vous dis pas, vraiment très 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 contente. Attendez, je vous demande 2 secondes. Ils sont en train de faire des bêtises, c'est pas possible. Voilà, en plus ils sont super contents et heureux là avec toute cette déco. Je vous dis pas, j'attends mes neveux, là, mes nièces qui vont venir là tout de suite. Voilà. Voilà tout, je vais vous montrer le déroulement de la journée. Je vais vous montrer vraiment du mieux que je peux de filmer tout ça. Et bah, je reprends à la fin de notre journée. Je reprendrai vraiment à la fin de la journée quand on va rentrer, Inch'Allah. Et puis je vous annoncerai la grande et grosse nouvelle. Je vous dis pas, j'ai hâte aussi de partager ça avec vous, parce que voilà, c'est super important. Là, je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai achetés. Et puis... Les tenues des enfants. Bah, ma fille, elle a eu sa première robe. Alors aujourd'hui, ça va être le défilé. Elle a eu sa première robe et puis là, c'est la seconde tenue. Après, elle a encore des tenues, tout ça, qu'on lui avait déjà acheté. Voilà, bah, ça va être défilé de mode en fait. Moi, je pense que je vais garder ma robe et puis je mettrai un autre truc peut-être plus léger par la suite. Voilà. Allez, je vous montre les cadeaux des petits. C'est des tout petits cadeaux en fait. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, Redem. Qu'est-ce que t'as eu? Un petit pistolet. Bah oui, on peut voir de plus près. Voilà, il l'a choisi. Voilà, c'est pas une grande surprise pour lui parce qu'il est avec nous à Action. Il l'a choisi. Jana. Jana, tu viens, tu montres. Jana, toi, qu'est-ce que tu as eu? Elle a eu ça. Voilà, elle a eu une petite balle aussi. Une petite balle qui s'illumine, une petite balle en rose. Mais... Ben, ouais, elle l'a déjà perdue. On n'arrive pas à la retrouver. Bon, on va la retrouver. Mais... Et son voilà. Jouet, bah, quand on le secoue. Oui, ça fait des formes. Ça fait des Ah, formes. Ça, oui. Mais la petite balle, elle s'illumine. Oui. Voilà.
Vous êtes contents les enfants? Oui. Oui, Jana? T'es vrai, t'es contente? T'es contente, ma princesse? Hein? Elle a dit je t'aime. Moi aussi je vous aime, très fort mes amours, mes chéris. Bah oui, t'es contente. Et qui va venir là tout de suite? Nana. Avec qui? Nana, c'est ma soeur Nadia, c'est leur tante. Avec Amour Rachid. Avec mes cousins et cousines. Oui, et toi? Nana, voilà, c'est ça. Alors elle, Nana, pour elle, c'est elle, puisqu'elle s'appelle Jana, alors elle dit Nana. Et puis bah, son autre Nana, c'est sa tante. Jana, Gouline, Jana. Nana. Nana, voilà, c'est pour ça, elle dit Nana, Nana. Bon allez, je les attends et puis je vous filme le reste, je vous filme la table, les tables pour le petit déjeuner, puis je vous filmerai le déroulement. Comme je vous disais, je vous filmerai le reste et puis en fin de journée, dès qu'on rentre à la maison de Charles, je vous filmerai, quand je vous annoncerai, pardon, c'est les émotions, je vous annoncerai la grande nouvelle. Voilà, une grosse surprise, vous allez voir, restez... Restez parce que ça vaut le détour. Bon, pour nous c'est sûr, mais bon. Voilà. Mais je suis très contente en fait de vous l'annoncer et j'attendais vraiment de vous l'annoncer. Et ben aujourd'hui parce que c'est vraiment l'occasion, l'occasion rêvée pour nous et ça tombe très bien. Allez à toutes. Voilà, nous revoilà, je sais pas si vous voyez, mais voilà, l'état de fatigue. Maman. Oui. Allez, chacun dans sa chambre maintenant, c'est bon, je suis KO. Voilà, je suis désolée parce que sans faire exprès, j'ai effacé le moment du repas. Voilà, alors je vous annonce, je vous dis tout de suite, c'était quoi hein, le repas. C'était du poulet aux olives. Tout simplement, le poulet rôti avec de la salade, tout ça. On n'a pas voulu faire de plats différents, tout ça. Juste un peu de salade en accompagnement, en même temps que le poulet, salade marocaine. Et un petit peu de salade verte. On voulait, voilà, pas trop forcer pour le premier jour, je sais pas vous, mais voilà, on veut pas. Et pareil pour ce soir, là, qu'on vient de rentrer. Ça sera, je pense, quelque chose de très léger et quelque chose d'assez simple pour le premier jour. Voilà, le temps de remettre ça... tranquillement. Voilà tout. Allez, je vous l'annonce. Je sais pas comment vous dire ça. En fait, je suis excitée. Je suis en même temps. Je sais pas, j'ai un peu de peur. Et maintenant, j'ai un peu de honte. Mais pourtant, c'est pas. Voilà. Allez, je vous l'annonce. 1, 2, 3. Allez, ensemble. Et voilà. Allez, je vous montre.
Attends, j'ai pas encore changé, débarrassé. Voilà le petit bidou. Voilà ma tenue déjà. J'ai enlevé les babouches, hein, j'en peux plus. Voilà ma tenue. Là, il y a une petite ceinture. Et puis voilà, on voit un petit peu le bidou. Et oui, je suis enceinte. Nous attendons un heureux événement. Vraiment, nous sommes très 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 heureux, nous sommes très contents. On est en train de se battre un petit peu. Non, Miskine lui a fait un bisou, t'es gentille Adam. Et je sais pas, ils sont collés avec moi, ils veulent pas me laisser tranquille, je vous dis pas. Et voilà, il a fait très chaud aujourd'hui, il a fait très très chaud. Moi je reprends sur ça, je suis en train de mélanger un petit peu tout. Mais ça c'est moi, c'est tout à fait Leïla. Oui, et ben voilà, on attend un heureux événement, Inch'Allah. On est très 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 content, on est très heureux, je vous dis pas, avec tout le parcours que j'ai eu, tout ça. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous le dirai plutôt une prochaine fois. Là, j'attendais vraiment avec impatience le jour de l'Aïd, le jour de l'Aïd pour pouvoir vous l'annoncer. Voilà, est-ce qu'il y en a qui sont doutés de cette grande nouvelle, de cette annonce, de cette grossesse, ce joli vraiment cadeau voilà, que Allah nous fait. Vraiment, on est très 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 heureux, je ne vous dis pas. Est-ce que vous ouais, peut-être je me suis dit est-ce qu'il y a eu des doutes avec le live que j'ai fait là, juste avant le Ramadan, le live couscous, vous vous souvenez, voilà, où à un moment j'ai eu un petit malaise, je dirais, je me suis assise là, j'ai l'impression qu'il revient, ouais, je fatigue énormément, voilà, mais ça, oui mademoiselle, voilà, 2 secondes, je finis, je te donne tout ce que tu veux. Ils sont infatigables, machallah, c'est bon, on en a marre, moi j'ai qu'une âge, franchement, je vous dis pas, c'est d'enlever mes affaires, d'aller me prendre une bonne douche et de m'allonger, là, juste là, sur le canapé, télé, télécommande à la main, et c'est bon, tranquille, sans rien, voilà, voilà, ben, j'espère que vous êtes heureux pour nous, j'en doute pas une seule seconde, normalement, oui, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on est très, très, très heureux, on est vraiment très contents, c'est vraiment avec, quand vous allez savoir le parcours que j'ai eu, tout ce que j'ai vécu, voilà, j'ai peut-être 34 ans, mais ça fait quand même, cette année, ça va faire 15 ans qu'on est mariés. Voilà, en 15 ans, il s'est passé pas mal de choses. Alhamdoulilah, ya Rabbi. J'ai mes 2 enfants, il y a le 3e qui arrive. Là, ça va être le 3e, Inch'Allah, mais c'est pas ma 3e grossesse. Mais je vous expliquerai vraiment tout en détail dans les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos qui vont venir, ça sera un peu tout, mais ça sera, je pense, principalement... sur la grossesse, ça sera une vidéo vraiment spéciale. Une autre vidéo, ça sera quand on va la toute première fois chez le médecin. Pas quand on nous l'a annoncé, puisque bah, voilà, j'ai fait un test de grossesse. Mais le premier rendez-vous, tout simplement, la datation. J'ai filmé chez le médecin, il m'a donné l'autorisation. Je vous montrerai tout. J'ai filmé sur l'autoroute aussi, quand on partait, quand on revenait. Tout ça, même sur le parking, je me souviens encore. Voilà, c'était au fin février, il me semble. Voilà tout. Et vous aurez tout. Là, pour le moment, je vous dis la vérité. Ça va être repos, repos total. Ouais, total, hein. Il y a les enfants, il y a la maison. Il y a... Non, non, sincèrement, ça va être repos. Ça va être repos, là, pendant quelques jours. Bah, je serai, je pense, absente sur ma chaîne. Pendant une semaine, voire 10 jours. À 100%, je ne vais pas filmer. Si toutefois, vous voyez que je poste des vidéos, ça va être des vidéos que j'ai déjà en avance, tout simplement, où j'aurai juste le montage à faire, et ce sera un montage assez simple. Ce ne sera pas quelque chose de compliqué. Mais voilà, me filmer, ce sera plutôt... pas tout de suite, le temps de me reposer. En plus, je l'ai promis à monsieur... Voilà, en plus, je l'ai promis à monsieur, j'ai dit vraiment, voilà, tu me laisses terminer les vidéos du Ramadan et après je me repose. Ben oui, parce que quand vous allez comprendre en fait tout ce que j'ai vécu, tout ça, mais alhamdoulilah, c'est toujours franchement de dire merci, grâce à Dieu, merci vraiment, alhamdoulilah. Mais voilà, il est plus stressé qu'autre chose et il a encore plus peur que moi-même qui porte cet enfant. Mais vous comprendrez, Inch'Allah, avec les vidéos, tout ça, et puis je ferai une face cam, je vais parler vraiment. De mes grossesses, de tout ce que j'ai vécu, mais je vous dirai tout en temps voulu. Voilà tout, je vous fais de gros bisous. Oh, désolée, on a la voisine qui a un souci. Voilà tout, je vous fais de gros bisous, je vous dis vraiment à très vite. Voilà tout, je vais prendre le temps de me reposer.
Vraiment, j'en ai vraiment, vraiment besoin. Je vous dis pas, là, les cernes et tout, je suis très, très fatiguée. Plus la journée, mais on a passé une excellente journée. C'est vraiment la meilleure journée qu'on a pu passer depuis très, 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 très longtemps. J'étais très heureuse. Ben, bien sûr, j'étais en pleurs quand j'ai vu ma maman. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, malgré qu'on habite pas très loin l'une de l'autre. Voilà tout. Et ben voilà, j'ai vu mon frère, j'ai eu ma belle-sœur au téléphone, j'ai eu toute la famille d'ici, du bled au téléphone. Voilà, très contente. J'arrive ma chérie. Ouais, je vais y aller parce que j'ai une voisine qui a un souci avec sa clé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Et à très vite. Et comme voilà que ça aide encore une fois. Gros bisous, gros bisous, gros bisous.